wir sind heute mit der Ankündigung, mit der Zusage aus Moskau hierher gekommen, die uns gestern erreicht hat, dass ab heute Nacht von Seiten der Separatisten die Waffen schweigen werden, zunächst für 7 Tage, beginnend heute Mitternacht. Die Wahrheit ist, meine Damen und Herren, der Fortschritt bei der Umsetzung von Minsk war in diesem Jahr eine Schnecke und sogar eine ziemlich langsame. Und wir haben lernen müssen, dass Stillstand und Stagnation eben kein Beitrag zu besserer Sicherheit ist. Kontrolle für die SMM, das bedeutet 100%igen Zugang für die SMM, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. І ми прекрасно розуміємо всі разом, що для того, щоб досягти прогресу в виконанні Мінську, мінських домовленостей, щоб примусити Росію їх виконувати, нам потрібне чітке бачення послідовності кроків і одночасно гарантія їх виконання з боку російської сторони. І прогрес у виконанні цього головного завдання має привести нас до можливості зустрічей у нормандському форматі на політичному рівні. Donbass, y compris la possibilité d'accès et de contrôle sur le tronçon de la frontière russo-ukrainienne qui actuellement échappe au contrôle. Nous avons ensemble rappelé notre attachement aux accords de Minsk. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de plan B. Et ces accords de Minsk doivent être mis en œuvre. Et puis il y a une méthode, il y a une démarche qui est celle du format Normandie à laquelle nous sommes attachés et ce que nous voulons faire vivre. Et c'est pourquoi, après quelques mois de stagnation, il nous a paru nécessaire aussi de prendre l'initiative de relancer. Et relancer, ça veut dire préparer les conditions d'un sommet au niveau des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre du format Normandie, avec le président Hollande, la chancelière Merkel, le président Poroshenko, le président Poutine. Très intéressant et très dense avec mes collègues qui vont se poursuivre d'ailleurs demain déjà dans le Donbass. Je remercie mes amis ministres qui sont là. Mes remerciements particuliers vont à mon collègue allemand qui arrive avec